Ben merci. Bon, alors, pardon, ok. Bonjour à, du coup, à ceux qui ont pu être là. Donc moi, je m'appelle Loïc Kechichian. On se connaît probablement pas avec la plupart d'entre vous parce que je suis localisé à Montpellier pour mon stage. Donc je suis en master 2, un master qui s'appelle Sciences de l'eau, parcours eau et agriculture, donc à Montpellier aussi. Et je suis en stage depuis février avec Jérôme et puis Nassim autour de la problématique de la réutilisation des eaux usées traitées et sur l'étude de l'impact agronomique de l'utilisation de ces eaux en irrigation sur une culture de laitue et sur le suivi de la diffusion de l'humidité en irrigation localisée. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Ça, c'est en plein écran, ce sera mieux. Donc, pour reprendre rapidement le contexte, ben, Jérôme on a dit quelques mots déjà. Donc, la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, ça a pas mal d'avantages, notamment en termes d'économie d'eau et puis de revalorisation des nutriments qui sont présents dans les eaux et qui peuvent être utiles pour la croissance des plantes. Et il y a encore un certain nombre de limites assez fortes à cette pratique, notamment en termes de contamination des sols, des sols et des plantes d'une manière générale. Et donc, il y a des enjeux de modélisation derrière. Et du coup, ce stage il s'inscrit un peu dans cette optique de modélisation in fine, notamment avec, du coup, on travaille avec Jérôme et Antoine, qui développent un modèle un peu simplifié, entre guillemets, de diffusion de l'humidité dans le sol et de diffusion de l'azote aussi dans le sol, et qui modélise la croissance végétale en fonction de la disponibilité en eau et en azote du sol. Donc le travail de ce stage, il peut se découper en plusieurs grands axes. Le premier, c'est d'étudier le potentiel de fertilisation de plusieurs qualités d'eau sur une culture maraîchère, de la laitue en l'occurrence, en posant l'hypothèse que les eaux usées traitées permettent un apport de nutriments important et que si on complète éventuellement avec un peu de fertilisation cet apport, ça peut permettre d'obtenir des rendements végétaux au moins aussi bons qu'avec de l'eau claire et une fertilisation classique. Le deuxième axe, c'est de suivre un peu les risques associés à ces pratiques, notamment sur le sol en termes de salinisation du sol et puis de lixiviation des nutriments. Et ensuite, une troisième partie sur la diffusion de l'humidité dans le sol, avec une question sous-jacente qui est de savoir est-ce que une mesure localisée d'humidité dans le sol est vraiment représentative de l'eau qui est effectivement présente dans une zone étudiée. C'est une mesure qui est assez importante parce que les mesures d'humidité, du coup, elles servent pour piloter l'irrigation et elles servent aussi comme variable d'entrée dans les modèles et ça a une grande influence sur les résultats. Donc, il y a une question de est-ce que l'humidité dans un sol est homogène spatialement ou pas? Donc le but de tout ça, c'est aussi de générer des données agronomiques d'une part et de diffusion de l'humidité dans le sol d'autre part pour la calibration de modèles. Et puis un dernier petit axe sur la modélisation de la diffusion de l'humidité avec un logiciel qui est Hydru-Scindé, donc déjà éprouvé et qui est assez robuste pour croiser ces données avec celles obtenues avec un modèle qui est actuellement en développement au sein du LBE, donc on va regarder un peu tout ça. Au niveau de la plateforme expérimentale sur laquelle on a conduit l'expérience, donc ça se situe à Murviel-lès-Montpellier, à l'ouest de Montpellier, pas très loin. Donc c'est il y a une station d'épuration qui fonctionne avec des filtres plantés de roseaux. Alors la station était en lagunage il n'y a encore pas si longtemps, donc elle a été modifiée cette année. Donc la photo n'est pas la plus récente. Maintenant c'est des filtres plantés de roseaux aux deux endroits où j'ai mis des carrés rouges. Et on a du coup une serre avec des bacs hors sol qui nous permettent de tester différentes qualités d'eau sur des cultures. Donc on a accès aux eaux usées traitées par la station d'épuration. On a accès aux eaux usées brutes qui sont récupérées après des grillages en entrée de la station. On a de l'eau potable en fait tout simplement comme témoin. Et il y a un pilote de bioréacteur à membrane qui a été mis en place, le BRM en jaune là, à côté de la STEP, qui a été mis en place cette année aussi en test, qui vous sera présenté probablement par Rouen, au moins en partie, et donc qui permet d'avoir une autre qualité d'eau usée traitée qu'on a pu tester.
Donc l'idée de l'expérience, c'est qu'on a conduit une culture de laitue sur 2 cycles de 6 semaines dans des bacs hors sol. Donc on a 8 bacs. Ça nous permet d'irriguer 2 bacs avec chaque qualité d'eau. Donc là, les abréviations que j'ai mises, je vais les réutiliser plus tard. Alors juste EC, ce sera eau claire pour le témoin. EB, c'est l'eau usée brute récupérée en entrée. EM, c'est l'eau traitée par le bioréacteur à membrane. C'est pour eau membranaire. Et EUT, c'est l'eau traitée par la STEP. Donc voilà, avec une expérience avec 8 salades par bac, irriguées en goutte à goutte. Et donc avec un certain nombre de paramètres qui ont été suivis, agronomiques, dans le sol. Bon, voilà, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a suivi, mais je vais en reprendre certains après dans les résultats. L'idée, c'était de suivre au maximum tous les paramètres qu'on pouvait pour avoir un maximum d'informations sur ce qui se passait, sur ce qui influençait ou pas la croissance des laitues. Et il y a une dimension aussi du suivi microbiologique, de l'impact microbiologique sur le sol, qui a été suivi par Vincent Moulia, qui vous présentera probablement aussi. Donc j'en parlerai pas, mais ça a été fait aussi. Et après, sur la diffusion de l'humidité, voilà, on utilise des petites sondes capacitives qui sont régulièrement utilisées. En fait, elles sont assez peu chères et faciles à mettre en place, du coup, elles sont souvent utilisées pour suivre spatialement un peu la diffusion de l'humidité. Je vous en parlerai un peu plus loin. Voilà, c'était juste pour expliquer un peu ce qu'on a utilisé. Donc, pour les résultats, on va regarder un peu les qualités d'eau d'irrigation qu'on avait, les impacts après sur la culture de laitue dans un premier temps, et puis sur le sol dans un deuxième temps. Et après, une partie sur la diffusion de l'humidité et puis le lien du coup avec la modélisation qu'il y a derrière. Et puis une petite discussion et les limites de tout ça à la fin. Alors, sur les eaux d'irrigation, je vous ai mis quelques paramètres principaux. Donc, on suivait toutes les semaines la qualité des eaux. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. L'idée, c'est de garder à l'esprit que l'azote, il est apporté sous 2 formes majoritaires qui sont la forme ammoniacale dans les eaux usées brutes et dans les eaux usées traitées qui sortent du bioréacteur. Et sous forme nitrique en sortie de station d'épuration. Et on a des concentrations d'azote bien plus importantes dans les eaux usées brutes et dans les eaux usées traitées par le bioréacteur que par les eaux traitées par la STEP. En phosphore, on retrouve à peu près la même concentration de phosphore dans les eaux usées brutes que qu'en sortie du bioréacteur parce qu'il n'y a pas de traitement au phosphore. En revanche, en sortie de la STEP, il y a un traitement chlorurférique pour éliminer le phosphore résiduel, ce qui fait qu'on a des concentrations très faibles en phosphore en sortie de STEP, ce qui est plutôt un avantage environnemental, mais qui nous arrange pas forcément. Après, on a une eau relativement riche en sel par rapport à une eau claire classique, mais bon, ça reste dans les gammes des eaux usées traitées habituelles. La conductivité se situe entre 1300 et 1800 microsiemens par centimètre. La salade tolère en général une conductivité dans les eaux d'irrigation jusqu'à à peu près 1900 microsiemens par centimètre. Donc on ne devrait pas avoir d'impact direct sur la salade, sauf avec les eaux usées brutes éventuellement. Et on a une valeur de SAR, qui est le ratio d'absorption du sodium, qui est assez élevé, qui signifie qu'on a beaucoup de sodium par rapport au calcium et au magnésium. Et ce qui se passe, c'est que dans le sol, donc le calcium et le magnésium sont absorbés sur les particules de sol. Et le sodium peut, s'il est présent en grande quantité, prendre la place de ces éléments et induire des problèmes dans la structure du sol, et notamment en termes d'infiltrabilité, il peut réduire la capacité d'infiltration du sol. Ça peut être problématique. Donc c'est important de noter qu'on a des valeurs assez élevées qui peuvent être problématiques d'un point de vue agronomique. Donc pour la laitue, on va regarder un peu les rendements dans un premier temps. Donc là, je vous ai mis les résultats de la biomasse fraîche à la récolte pour chaque bac et pour les 2 cycles. Donc en bleu, on a les bacs irrigués avec les eaux claires, en rouge avec les eaux usées brutes, en jaune et orange, c'est les eaux usées traitées par la STEP, et en vert, c'est les eaux membranaires, du coup. Les petites étoiles, ça indique la significativité des différences entre les moyennes des traitements. Ça montre qu'il n'y a que l'eau claire qui est significative, enfin le rendement obtenu avec l'eau claire qui est significativement différent des 3 autres, mais les 3 autres traitements testés, par contre, ne sont pas significativement différents entre eux. Donc on voit plusieurs choses. On voit déjà qu'au cycle 2, on a eu bien meilleure croissance qu'au cycle 1. Ça, c'est dû au fait qu'au cycle 2, on a eu beaucoup plus de chaleur, des températures plus élevées sur la même durée de cycle. Donc ça a nettement mieux poussé. Et elles ont été plantées à un stade un tout petit peu plus avancé, ce qui peut jouer aussi un petit peu.
Du coup, on observe un meilleur rendement avec les eaux brutes, les eaux et les deux eaux usées traitées, ce qui valide un peu l'hypothèse qu'on avait au démarrage. Mais on observe qu'on a quand même une grosse différence entre les traitements, enfin entre les bacs des mêmes traitements et au sein des bacs. Donc c'est ce qu'on va regarder un peu dans la suite parce que ça nous a posé, on s'est posé quand même quelques questions. C'est-à-dire que deux bacs irrigués avec la même qualité d'eau fournissent pas du tout le même rendement. Et c'est ce qu'on observe notamment avec les deux types d'eaux usées traitées. Donc là, les bacs E et H, c'est les eaux usées traitées par la STEP et F et G par les eaux du pilote de bioréacteur. Les bacs F et H, en fait, ont bien mieux poussé que les bacs E et G. Et c'est les deux bacs qui sont situés en fond de serre. Donc on a essayé de savoir d'où pouvait venir cette hétérogénéité. On a essayé de vérifier un peu les hypothèses qu'on pouvait avec les paramètres qu'on avait mesurés. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on a regardé. On a regardé déjà l'état initial du sol, parce qu'en fait les bacs avaient déjà servi à des expériences des années précédentes, et donc on ne partait pas d'une composition chimique homogène entre tous les bacs. Donc on s'est demandé si ça pouvait avoir joué. Alors effectivement, entre le bac F et G, on voit qu'on a beaucoup plus de nitrate dans le bac F, et ce qui peut expliquer la meilleure croissance du bac F, mais ce n'est pas des différences qu'on retrouve dans les bacs E et H. Donc ça ne suffit pas à expliquer effectivement les différences de rendement. On a regardé un peu la température du sol parce qu'on est sous serre et sous les serres, il y a un effet microclimatique qui peut induire une variabilité spatiale des variables climatiques, ce qui fait que la température n'est pas forcément homogène spatialement dans la serre. Donc on a essayé de voir si on retrouvait cette variabilité dans les sols des bacs et bon, on ne retrouve pas une forte variabilité. C'est une hypothèse qu'on a écartée aussi. En revanche, en termes de rayonnement, il semblerait qu'on ait une hétérogénéité du rayonnement sous la serre et entre les différents bacs. Là, je vous présente juste, c'est des mesures qui ont été faites sur une journée entière avec une dizaine de mesures de rayonnement sur chaque bac. Donc ça donne des cartes un peu de chaleur comme ça. Là, je vous ai mis une obtenue pour les mesures à 16 heures. Parce que c'est la plus représentative. En fait, on voit que les deux bacs du fond, ceux qui ont mieux poussé, ont reçu visiblement beaucoup plus de rayonnement. Et à l'échelle d'une journée, ça se traduit par un rayonnement cumulé qui est supérieur de près de 10% pour les deux bacs du fond par rapport aux deux bacs qui sont juste au-dessus. Ça, c'est une variable relativement importante pour la croissance végétale et donc qui pourrait expliquer éventuellement ces différences de rendement. Et après, juste vu qu'on avait vérifié le débit d'égoutteur aussi, parce qu'assez bêtement, si les débits d'égoutteur sont différents, on a des croissances différentes, mais heureusement, on n'avait pas de variabilité là-dessus. Donc on a quand même un certain nombre de variables qui peuvent avoir joué sur la croissance végétale. C'était assez difficile de savoir quelle variable avait plus influencé la croissance que d'autres. Donc on a émis quelques hypothèses, mais on n'a pas pu expliquer ces variabilités avec certitude. D'autant qu'au cycle 2, les variabilités n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, il y a une question un peu de quelle variable joue le plus sur le rendement. Et donc il y a un peu un travail de modélisation qui va être un peu des analyses de sensibilité de différentes variables pour voir lesquelles peuvent expliquer les différences qu'on a observées entre les bacs. Voilà, et un petit point aussi, on a eu, là si vous regardez sur les graphiques, on a des points qui sont un peu extrêmes. Je les ai volontairement laissés parce que c'était pour représenter qu'en fait même au sein d'un même bac, on pouvait avoir des salades qui grandissaient vraiment différemment. Et ça, c'est un peu un problème inhérent à ce type d'expérience où on est en bac. Et du coup, la géométrie du bac fait que, avec les bordures et les espacements entre salades, on n'a pas forcément une croissance homogène d'une salade à l'autre. Et ça peut être un petit peu problématique. Voilà, maintenant, en termes d'intérêt vraiment agronomique pur des eaux usées traitées. Donc, comme je vous l'ai dit rapidement, on a fertilisé un tout petit peu les eaux usées traitées pour compléter en fait l'apport. Là, on voit qu'en termes d'azote, de phosphore et de potassium, c'est les apports sur le cycle 1 qui sont à peu près les mêmes sur le cycle 2, hein, c'est équivalent. Je les ai mis en parallèle avec les besoins de la salade sur un cycle. On voit qu'on apporte quand même des quantités significatives d'azote, mais qui ne suffisent pas à couvrir les besoins de la salade sur un cycle. Pareil pour le phosphore. Donc, ça a nécessité des apports de fertilisation en plus pour vraiment subvenir aux besoins de la salade. Le phosphore, c'est un peu particulier parce que pour les eaux usées traitées, du coup, comme on n'a plus de phosphore, on a eu besoin de fertiliser plus. Mais si on laisse le phosphore en sortie de station, ça peut être vraiment intéressant d'un point de vue agronomique. Mais avec ces
concentration du coup d'azote, de phosphore et de potassium, qui étaient les mêmes que le témoin irrigué avec les eaux claires fertilisées d'une manière classique. On obtenait quand même des meilleurs rendements avec les eaux usées traitées. Et donc on a associé ça au fait que les eaux usées traitées, en plus de ces nutriments principaux, apportent aussi des éléments moins grande concentration comme le calcium, le magnésium. Elles apportent aussi beaucoup de carbone, des oligo-éléments qui sont très importants aussi dans la croissance végétale et qui peuvent expliquer ces différences. Et il y a aussi la dynamique d'apport qui est assez différente, qui fait qu'en fait, on apporte à chaque irrigation des nutriments, contrairement à une fertilisation classique où on va apporter ponctuellement, une ou deux fois dans le cycle, des nutriments. Et donc, avec un apport régulier tout au long du cycle, on a une assimilation qui est beaucoup plus facile par les végétaux et on a beaucoup moins de pertes. Donc, ça valide un peu les hypothèses de l'intérêt vraiment agronomique de ces eaux. Traité et non traité, bon, l'eau brute, on pourra en discuter peut-être après. C'est un peu particulier parce qu'en réalité, on n'utilise pas d'eau brute en agriculture. Là, c'était surtout pour le suivi microbiologique que c'était intéressant d'avoir ce cas un peu extrême. On va regarder un peu rapidement quelques impacts sur le sol, sur les paramètres physico-chimiques et sur la lixiviation des nutriments. En termes de pH, donc là, on a pH et conductivité sur les 10 semaines des deux cycles. Alors, il manque juste la dernière donnée qui ne va pas tarder à arriver normalement, qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore. En termes de pH, on a des pH assez élevés parce qu'on est sur un sol plutôt argileux. On a des pH qui flirtent avec le 8 et qui passent au-dessus de 8. Il faut savoir qu'à partir de 8,5, ça commence à être problématique pour les plantes parce qu'elles commencent à avoir plus de difficultés pour assimiler les nutriments. Donc là, ce serait intéressant de voir un peu plus long terme que ça, ce que ça va donner. Est-ce que le pH va continuer à monter ou pas? Et auquel cas, ça peut être un problème. Un problème assez important quand même. En termes de conductivité, donc en bleu, c'est l'eau claire. Pardon, je n'ai pas trop détaillé. En bleu, c'est l'eau claire et les couleurs, c'est les traitements qu'on a essayés. En conductivité, on a un pic au cours du premier cycle dans l'eau claire qui est associé à la fertilisation azotée qu'on a appliquée, qui a bien monter la conductivité. Et sinon, pour les autres traitements, on a une augmentation assez linéaire de la conductivité. On reste dans des valeurs relativement faibles. Pour la salade, on considère que tant qu'on est en dessous de 1300 microsiemens par centimètre dans le sol, c'est un peu différent dans les eaux, mais dans le sol, ça ne pose pas de problème. Donc là, sur les 2 semaines, ça n'a pas du tout posé de problème. Après, à voir sur le long terme, la tendance qui peut se dégager. Et pour le SAR, c'est un peu pareil, ça peut avoir un impact. Nous, on n'a pas vu d'impact sur l'infiltrabilité du sol sur les 2 semaines. Mais en fait, les impacts sur le sol, c'est des impacts qui se regardent plutôt à long terme. Donc là, c'était un peu la limite de l'expérience. Ce n'était pas forcément l'objectif non plus. Mais voilà, c'est important de garder à l'esprit que même si on ne voit pas d'impact là sur nos 2 cycles de salade, ça peut être intéressant quand même de regarder ça à plus long terme. En termes de lixiviation des nutriments, donc on a regardé surtout l'azote, lixiviation en profondeur de l'azote et le phosphore, lixiviation à 50 cm. C'est parce que c'est les nutriments qui sont les plus responsables du risque d'eutrophisation et de pollution des nappes. On voit qu'on a des pertes assez importantes avec l'irrigation en eau claire et une fertilisation classique avec l'eau brute. Pour l'eau claire, alors juste, ouais, on considère qu'au-dessus de 40 kg de nitrate perdu par hectare, ça peut présenter un risque environnemental. Alors, ça dépend du contexte, ça dépend de la sensibilité du milieu, ça dépend de la profondeur des nappes, ça dépend de plusieurs facteurs, mais voilà, on peut considérer qu'au-dessus de 40 kg de nitrate perdu par hectare, ça peut quand même être problématique. Donc là, on est au-dessus. Pour l'eau claire, c'est surtout dû au fait que déjà, on a fait un apport assez important et on a volontairement surfertilisé l'eau claire pour atteindre des niveaux de nitrate équivalents à ce qu'on avait dans les bacs avec l'eau usée traitée pour pouvoir comparer les deux. Ce qui fait que du coup, on a fait un apport d'azote vraiment important et donc on en a perdu une bonne partie en lessivage. Pas forcément très stratégique. Et pour les eaux brutes, donc les eaux brutes sont assez riches en azote, mais pas forcément plus que les eaux membranaires. Mais on a observé plus de pertes parce que les bacs initialement étaient déjà très chargés en nitrate et en azote. Et donc on en a rajouté, mais le sol était quasiment à saturation, donc on en a perdu plus aussi. Donc là, c'est les lixiviations sur les 6 premières semaines de cycle. On attend encore les dernières analyses de sol qu'on a faites. Mais voilà, ça donne une idée. C'est des valeurs qui sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que
Là, c'est donné en kilogrammes par hectare. Nous, on l'a mesuré sur des bacs de 1 mètre carré. Il faut savoir qu'entre deux bacs, on avait aussi une variabilité. Donc là, je vous présente une moyenne. Voilà, ce n'est pas forcément des valeurs à prendre au pied de la lettre, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a quand même moins de lessivage, visiblement, avec l'utilisation d'eaux usées traitées qu'avec une fertilisation classique, à condition de ne pas avoir déjà trop d'azote dans le sol. Et on n'a pas observé de lessivage de sel, ce qui est une bonne chose. On va regarder un petit peu la diffusion de l'humidité. Le tout premier objectif, en fait, la toute première question qui était posée, c'était est-ce que sur une irrigation homogène type pluie, est-ce que l'humidité va se diffuser de manière homogène dans le profil de sol? C'est la première expérience qu'on a faite pour essayer de vérifier, enfin de répondre à cette question. Donc on a équipé voilà, la sonde dont je vous parlais dans un bac à plusieurs profondeurs, en quadrillant le bac pour avoir vraiment une vue d'ensemble de l'humidité. Et on a mené une irrigation en pluie. Donc là, je vous présente les résultats sur un bac. Donc on a fait plusieurs profondeurs et plusieurs bacs, plusieurs répétitions. Ce qu'on voit, c'est qu'aux deux horizons, donc le temps, c'est après irrigation, 5 h, 25 h, 35 h après irrigation. On voit que juste après irrigation, donc l'humidité se diffuse de manière assez hétérogène dans le sol et on garde une certaine hétérogénéité au cours du temps, ce qui suppose que la structure du sol n'est pas forcément très homogène et ce qui implique des différences. Donc on a mesuré entre de 7 à 10% d'écart d'humidité volumique d'un point à l'autre, d'un bac, ce qui est assez important, c'est très important. Et donc ça soulève effectivement l'importance de multiplier les mesures d'humidité si on veut vraiment avoir une idée précise de l'humidité qui est présente dans le sol. Donc, du coup, on a voulu creuser un peu cette question pendant la culture et en irrigation localisée avec l'objectif de décrire du coup, les écoulements au moins en deux dimensions. Enfin, le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de sondes pour essayer d'aller prospecter la trois dimensions. Puisque l'eau est apportée en un point en irrigation localisée, puis après elle se diffuse dans toutes les directions dans le sol. Donc on voulait au moins déjà s'attacher à décrire en deux dimensions comment elle se diffuse. Donc là, le petit schéma, ça montre l'égoutteur qui amène l'eau. Des endroits où il y a des salades, il y a un goutteur sans salade au milieu. Et en rouge, c'est les sondes qu'on a mis en place pour essayer d'avoir une visibilité sur l'humidité sous l'égoutteur, avec et sans salade, et entre les goutteurs. Pour voir un peu d'une part l'homogénéité et d'autre part pour pouvoir à terme modéliser la diffusion de cette humidité. Et puis bon, à droite, c'est juste les schémas d'implantation, enfin les endroits où on a mis les sondes sur les deux cycles. Bon, l'idée, c'est qu'on en a mis entre des goutteurs, sous des goutteurs et avec et sans salade. Donc, pour vous présenter quelques résultats, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer une idée des différences qu'on a observées. Là, c'est sur un bac, sur le premier cycle. Donc des sondes qui sont placées sous deux salades différentes du même bac, à deux profondeurs. Donc en orange, on a les sondes qui sont placées à 20 cm de profondeur et en jaune à 5 cm. Donc on voit que sous deux salades avec la même irrigation, on n'a pas forcément les mêmes valeurs d'humidité. Donc au point A, on tourne entre 25 et 30% d'humidité, alors qu'au point C, on est plus à 20%, voire un peu moins. C'est des différences qui sont vraiment pas négligeables. Et il y a des différences entre les différents horizons. C'est-à-dire qu'au point A, on a à peu près la même humidité à 5 et à 20 cm, alors qu'au point C, on a une humidité qui est différente entre les deux horizons. Donc ça suppose qu'on a une hétérogénéité assez forte de la structure du sol, ce qui n'est pas forcément étonnant dans des bacs de culture comme ça, on y reviendra. Mais ce qui présuppose que du coup, pour avoir vraiment une bonne idée de l'humidité, pouvoir piloter convenablement l'irrigation, et puis pour les modèles de culture, tout simplement, c'est important de multiplier les mesures et d'essayer de multiplier les mesures pour avoir l'idée la plus représentative possible de l'humidité. On obtient, comment dire, c'est un premier jeu de données en fait qui nous permet voilà, d'avoir une idée de l'hétérogénéité de la diffusion de l'humidité à continuer, mais en tout cas, ça met bien cette hétérogénéité en évidence. Là, pareil, c'est un peu des résultats du coup avec la même salade et pour voir la différence de ce que ça donne sous un goutteur sans salade. Donc, on a une humidité un peu plus forte qui est aussi hétérogène entre les deux horizons de sol et une humidité qui fluctue moins dans le sens où il n'y a pas de prélèvement racinaire. Du coup, on voit moins les diminutions d'humidité
Je sais pas. Enfin, voilà, c'est juste pour vous montrer deux, trois résultats. En termes de modélisation, du coup, le but, c'était avec un logiciel en une dimension, déjà dans un premier temps, d'essayer de retrouver, de décrire ce qui se passait dans notre situation. Donc, avec Idriss, on a assez bien réussi, on a réussi à assez bien décrire ce qui se passe. Alors, normalement, les courbes les plus lisses sont censées être en pointillés. Voilà, les courbes les plus lisses, c'est les résultats de la modélisation. Donc, on décrit assez bien ce qui se passe, mais du coup, ça implique d'introduire une notion d'hétérogénéité de la structure du sol et de changer les paramètres physiques du modèle d'un endroit à l'autre pour retrouver ces variations. Et donc, maintenant, le but, ça va être de croiser un peu ces modélisations avec le modèle qui est en développement. Enfin, avec Jérôme et Antoine, en comptant que là on a des modélisations avec un logiciel qui est assez éprouvé, donc le but c'est qu'avec des paramétrisations sensiblement identiques, le but c'est d'essayer de retrouver un peu les mêmes résultats quoi, pour valider quelque part ce modèle. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai amené quelques limites, on va pouvoir discuter rapidement des limites qu'on a observées du coup à cette expérience. La première grosse limite, c'est un peu inhérent aux expériences en bas corps sol, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a relativement peu d'échantillons, donc pour avoir des représentations statistiques vraiment représentatives, c'est assez compliqué. La deuxième chose, c'est que le sol n'a pas été changé entre les dernières expériences qui avaient été faites et celle-ci, ce qui fait qu'on ne part pas de sol homogène dans leur composition physique, donc ça introduit une variabilité en plus. Ensuite, on a un effet bordure et géométrie un peu des bacs qui fait que du coup, on a du mal à avoir des croissances homogènes au sein d'un même bac, qui pose aussi un petit peu des problèmes d'interprétation derrière. Et on a une structure de sol qui n'est pas vraiment comparable avec des structures de sol en parcelle, parce que les bacs sont sous serre, ils ne sont pas soumis aux effets climatiques, aux pluies, etc. Il n'y a pas de culture en permanence dessus et ils sont assez régulièrement remaniés, ce qui fait que du coup, on a une structure de sol vraiment particulière, ce serait intéressant de voir si les résultats qu'on obtient dans ces conditions-là sont les mêmes que ceux qu'on obtient en conditions parcellaires plus réelles. Ensuite, on a vu rapidement qu'on avait un grand nombre de variables qui pouvaient expliquer les hétérogénéités qu'on a vues, et c'était assez difficile de peser le poids de chaque variable sur le rendement final. Et du coup, ça va être un peu le jeu avec la modélisation, d'aller un peu plus loin et d'explorer plus en détail le aspect influence de chaque variable sur le rendement final. Et ensuite, j'ai juste mis qu'on avait du coup un manque de données à long terme, surtout pour les impacts sur le sol. Ce n'était pas forcément l'objectif de cette expérience, mais c'est important de garder à l'esprit que les impacts se jouent beaucoup à long terme dans ces cas-là. Et après, j'ai juste mis aussi pas de données sur le transfert des contaminants en salade. Encore une fois, ce n'était pas du tout l'objectif de l'expérience, mais juste. C'est important de garder à l'esprit qu'il y a aussi cette dimension-là qui est hyper importante, notamment dans le cas de salade où en fait les parties comestibles sont directement en contact avec le sol et avec les eaux d'irrigation. Et donc il peut y avoir des problématiques de transfert de contaminants. Voilà, c'est juste pour le citer, pas l'oublier. Et en perspective, donc il y a deux expériences qui pourraient être possibles à mettre en place, dont on commence à discuter. Pour aller un peu plus loin, la première, ce serait de passer à plus petite échelle en essayant de contrôler beaucoup plus les paramètres. En chambre de culture, dans des pots avec une culture donnée, aussi de réduire au maximum les variables en fait et de mieux maîtriser les paramètres pour mieux voir le poids de chaque variable sur le rendement final. Et une expérience qui est un peu complémentaire, ce serait l'inverse de passer sur des parcelles réelles entre guillemets, avec beaucoup plus d'échantillons en pleine terre avec plusieurs cycles, etc. Donc là, ça pose d'autres questions techniques et réglementaires, mais effectivement, ça pourrait venir complémenter un peu les données qu'on a quoi, et aller un peu plus loin. Et après, en termes de suivi d'humidité, c'est un peu la même chose. Ce serait intéressant de passer sur une parcelle pour voir si les hétérogénéités, on les retrouve de la même façon ou si c'était un effet des bacs ou pas. Et puis pour compléter le jeu de données, ça nous fait un premier jeu de données qui est intéressant et qui nécessite d'aller encore un peu plus loin. Et puis le modèle, bon, j'ai juste mis modèle actuellement en développement, c'est juste pour signifier que le travail est en cours et que. Voilà, c'est un premier jeu de données pour ce travail, quoi. Voilà, bon, en fait, c'était plus ou moins une conclusion, ce qu'on va faire, mais je vais me répéter, juste, si vous avez des questions, ce sera plus pertinent, ou si Jérôme ou Antoine, vous voulez compléter ou corriger des choses, je vous laisse
la parole. Merci Loïc pour cette présentation.